Allez, on y retourne. Je sais pas si on peut passer à la cinématique du coup. Non, il n'y a pas l'air. Bon. Cette fois, on va essayer de pas trop se planter. Je sais plus comment on fait. Oui, voilà. oui, parce que je me suis arrêtée quand même entre temps. Alors, concrètement, j'en sais rien en fait. On va retenter le départ comme d'hab, c'est-à-dire en faisant un rayon. Même pas. Non, on va se mettre en défense. Hop. Défense. Et elle défense aussi, dans un premier temps. Voilà. Action, on va tenter le rayon lumineux et le ralentissement. Avec un peu de chance. Ah non, il y a l'interruption quand même. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien joué le retour. Ah putain, paralysie. Ah là 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 là. Je pense que de toute façon je n'ai pas ce qu'il faut là. Alors attendez. Défense magique, dégâts, vitesse, ressuscite, altération. Altération. Ok. Donc lui en priorité parce que c'est lui qui nous met les malus. Allez. Pitié. Oh putain, il la touche aussi quoi. Coup critique. Putain, mais ça se passe très mal là. Très 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 mal. Très mal, très mal. Je ne peux pas attaquer. Je ne peux rien faire. Je pense que je vais juste me suicider en fait. On peut rien faire ici. On peut fuir. Mais ça ne marchera pas, je pense. Bon. Bon, bon, bon. Je réfléchis. Je n'ai pas 36 solutions. À part retenter le rayon pour essayer. Et le courant. Ah, on va essayer. On va la tenter. On verra bien. Ah, ça les a pas tués. Ça ne les tue pas. Et non, ça va, c'est elle qui est touchée. Donc ici, bah, on peut faire... Non, pas soin. On va prendre des potions, on va garder un max de... oui, donc du coup, potion, je l'ai perdu là. Potion de vie. Ici, pareil. Et ils font mal, hein. Ils font très très mal. Bon, lui, il soigne. C'est pas une très très bonne chose, là. Ok, donc c'est les deux qui vont attaquer ici. Non, j'ai bien envie de remettre en défense par sécurité. Hein. Parce que je la sens très mal. Et on va tenter l'accélération, si ça passe. Évidemment que non. Évidemment que non. Ah, puis l'autre qui va rattaquer encore. Tant pis, je la retente. On verra bien. Voilà. Si, c'est bon, elle esquive. Elle esquive. Et donc, toi, tu vas faire une accélération. Ok. Oh, l'autre, il prend rien en dégâts, là. La gargouille, c'est horrible. C'est horrible. On va changer... non. On va la garder. On va faire la frappe ici. J'espère que ça passe. Voilà. Interruption. Vite. Voilà. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Je ne peux plus les arrêter. On va recommencer la frappe sur lui. Ah non. C'est bon, esquive. Par contre, c'est l'autre qui va attaquer. Ça, c'est pas cool.
Recule. Ici, défense. Et ici, défense aussi. Putain, paralysie. Alors, potion. Je sais jamais lequel c'est celui-là, antidote. Malheureusement, ils vont attaquer une nouvelle fois. On va tenter le flash. Putain de peu, quoi! En plus, dans la ligne, je suis juste avant, quoi. Oh! Oh! Une bonne chose, une bonne chose. Une très bonne chose. Action, ralentisseur seul. On va peut-être faire un petit coup de soin avant. Quoique si l'autre attaque... Non, on va se booster en attaque pour le moment. Ok, ralentissement. On va essayer de le ralentir jusqu'à ce qu'on arrive. Le flash. On peut pas. On peut pas, on peut pas. Accélération globale. Vite. Ouais, ça passe. Ça passe. Essayer de le laisser avancer un maximum. Donc il y avait le flash et le rayon. On fait combien? Hop, on arrête. Et on va lui faire la frappe à rebours. Ok. ...280. Hop, toujours la frappe à rebours. Et là, j'ai besoin d'une potion. Potion, potion de magie. Hop, très bien. Ouais, elle fait que 14 de dégâts, mais ça empêche de venir frapper et de perdre un tour pour enlever la... Si on fait pas un petit soin entre temps. Ouais. Non. On va en profiter. Alors je sais plus, 280 et ça. Elle est pratique, ça frappe elle. Hein. Bon buffer. 247, ok, c'est pareil. On va le faire en flash. Ok, on a plus de buff. Plus de buff, plus de debuff. Hop. Ici, on n'a plus rien non plus. Il faut prendre une potion de mana. Voilà. Et là. Allez, 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 allez. Ralentissement. Non, seul. Oui, seul. Et toujours le flash. Super. 153 le ralentissement. Ça devrait le faire petit à petit comme ça. Ah, oh, punaise, je l'avais pas en cible. Ah, oh, zut. Zut, zut, zut. Non, ça sert à rien. Au vital. Ok, il se soigne. C'est pas très grave. 128, c'est un coup. C'est juste un coup. Bon, je pense qu'on aurait pris Finn. Ça aurait aidé, mais j'ai un petit peu peur quand même. On peut le tenter juste pour voir les dégâts qu'il aurait fait. Vu qu'apparemment, il est de l'élément eau. Ouais, 300. Bon, il fait dans les 100 de plus. Mais bon, je préfère quand même Aurora. Largement Aurora. Par principe, d'ailleurs. Ne serait-ce que par principe. Une nouvelle frappe à rebours.
Ok, et là on a plus de buff. Donc toujours pas de mana. Là je pense qu'il va avoir le temps de faire une action. Oui, d'autant que je ne peux rien faire et je pense pas que l'attaque soit suffisante. Si, c'est bon. Ça passe. Ah ben, il est mort. Voilà, 57 000 XP. Mauvais départ, mais on s'en sort quand même pas mal. Ok. C'est plutôt pas mal. À deux niveaux pour lui, c'est plutôt bien. Ok, citrine taillée. Bon, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. On a deux points ici, on va avoir le rayon lumineux supérieur. Puissance magique 60, quoi. Ah, la créature, ok. Et juste avant, je crois que c'était le dernier. Non, c'est celui-là. Non. Alors, c'est lui le dernier. On était à 40, d'accord. Eh bien, écoutez, ça va être pas mal, ça. Alors, ok. Ensuite, Mistinguette, c'est bon. On peut prendre. Fine. Ben, Fine, il va te manquer encore un point pour avoir... Ah non, même pas. J'en dis. Je n'ai rien dit. Donc là, on a le... ouais. Bon, ben, on va faire un par un, de toute façon. Ici, on peut prendre celui-ci. Là, on pourra y aller que la prochaine fois. De ce côté, on peut prendre le sort à la suite. Notre ami Senfen Jen, non, Jen c'est l'autre plus, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'ai dit qu'on se dirigeait vers Séisme. Jen, elle continue son arbre de debuff et de buff. Donc là c'est cool, on va avoir un... Ah oui, c'est vrai que c'est bien ça. C'est pas exactement un... C'est pas vraiment une accélération. J'avais oublié ce truc-là. Ça permet de commencer dans la barre. Il y a la paralysie aussi après qui sera intéressante d'exploiter. Ok. Là, normalement, c'est bon. On a vu tout le monde. Bon, au niveau des oculis, on a eu une citrine taillée. Non, toi c'est Spinel. De toute façon, ah, mais du coup, je l'ai, mais je l'ai pas. Je l'ai pas du tout stuffé. Elle, c'est plutôt en rapidité qu'il faudrait la stuff. Ouais, je t'aurais plus pour la buffer en vitesse, en fait. Alors, on va faire des oculis. Petite pause oculi. Le diamant se fait comment déjà? Je crois que c'était ça. Ça. Non! Ah! Déjà que j'ai pas beaucoup de trucs. Et ça. Ouais, voilà. Diamant poli. Donc on va en faire deux comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre le diamant taillé. Qui devrait nous ajouter 3 en vitesse, je pense. Ah, 4 même! Ah ouais! Ah ouais, 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 carrément. Carrément. Alors ensuite, qu'avons-nous? Augmente les chances d'esquive de 15 en cas de défense. Augmente la vitesse de 10% pendant un tour en cas d'interruption. Augmente... Alors, par contre, c'est ça. En cas d'interruption. Si elle se fait interrompre, 15% l'XP obtenu après chaque combat, dégâts physiques et magiques de 30% quand elle... Non, c'est pas intéressant. L'esquive est pas mal. Après, au niveau de ses défenses et tout, défense 113, voilà, déjà des défenses pas mal. Elle a une bonne esquive, hein. Alors, on va peut-être rajouter l'esquive. Ce serait peut-être pas mal. L'esquive, bah, c'était la citrine. Ouais. Donc, bien penser à la garder en défense. Et à ce niveau, on a quoi?
On a ça qui peut être intéressant. Ah non, non, vitesse d'exécution, carrément, oui. 9%. Allez, là, en interrupt, en debuff, ouais, non, carrément, oui. Donc, un autre diamant. Un autre diamant ici. Voilà. Hop. 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 Et ici. Ok. Alors, on va... On est à combien, de toute façon? On est déjà à 15 minutes, je pense que je vais clôturer. Ce sera un épisode bonus avec le boss, ça. On va vérifier les oculis de ce que j'utilise le plus. Ben, elle, de toute façon, c'était bon, je pense. Ouais, rester sur la défense. Augmentation des PM, maintenant, c'est plus très important. Alors, est-ce qu'on lui permet de commencer plus tôt? Non. Je pense plus à la vitesse aussi. Ouais, la vitesse. Je pense que ça serait plus intéressant. Alors. Voilà. Et ici... Oh là là, je me perds. Voilà, allez hop, encore un. Hop, et hop. Voilà, très bien. Ok, et si on avait Mystère ici... Bon, pour le moment, on n'a plus beaucoup d'OQI, de toute façon. Je préfère garder lui que... Oengus, voilà. Je cherchais son nom. Du coup, on va peut-être inverser sa pierre. Retirer ses Y. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Ok. C'est bon. Allez, on va peut-être pas s'arrêter là, quand même. On va peut-être regarder un petit peu. On a une porte ici, avec un levier juste en haut. Là, on a ça. Et ouvrir les coffres. Voilà. Par là. Et là, oh, j'étais persuadée qu'il y aurait un passage ici. Bon, ben c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a le bas. Avec un... Oh, mais remonte. Voilà. Un petit coffre ici. Et un autre coffre là. Voilà. Et de ce côté, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. De toute façon, on ne peut pas y aller. Ok, allez, c'est parti. On a ce truc là. Et par ici. Oh. Oh, je pense qu'on arrive à un point clé là. Oui. Ça sent un nouveau boss, ça. Au palais du soleil conduit cette porte. Jamais elle n'a été fermée de la sorte. Y aurait-il quelques indices par bonheur? Eh bien, là se dressent les quatre explorateurs. D'accord. Alors, cette porte est scellée par l'obscurité. On va y revenir, je fais juste le tour. Voilà, exemple pour ça. Et pour ça. Très bien. Des antidotes, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors, au niveau, est-ce qu'il y a un... Ouais, voilà. Ok. Donc, toi, tu es... Alors, attendez, je regarde un petit peu les dessins. Alors, attendez, on va essayer de faire ça dans le bon ordre. Dans le bon ordre, du moins dans l'ordre. Je sais pas si ça... Je vois pas où on peut les mettre d'autres. Mais c'est ce qui correspond au stèle en fait. Oh,
J'avais pas vu ça. C'est nouveau. Ah non, c'était lui. D'accord. Le boulet, c'est que j'ai utilisé ces trucs-là. Réfléchissons. Y a-t-il un endroit où on peut les mettre? Oui, j'en ai vu au moins un. Ah non, ça y est, je les ai vus. Donc toi? Non, ici. Mais, non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Bon, c'est pas grave. Il semble que je me sois trompée. Bah pourtant, un ordre à respecter. Ok, donc en fait, ça, c'est l'ordre, je pense. Donc le premier, c'est lui en fait où je suis pas sûre. Le premier, je sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci, mais je pense que c'est celle-ci. Donc on va essayer. Voilà. Ça y est, c'est allumé. Voilà, donc le premier est bon. Le chemin de l'éclipse nous est révélé. Alors ensuite, on a celui-ci. Celui-ci qui semble être celui-là. Alors attendez, parce qu'avant de le mettre, il faudrait que je le trouve. Est-ce que c'est ceci? Ouais, je pense que oui. Ensuite, on a celui-là. Voilà. Et celui-ci... Je ne le vois pas. Ah d'accord, ok. Là. Ah, mais... Pourquoi tu veux pas y aller? Peut-être parce qu'il y avait le bord de l'écran qui me gênait. Voilà. Voili voilou. La porte du soleil. Eh bien écoutez, hop, on est à 22 minutes. Le palais du soleil, ce sera pour le prochain épisode. Bye bye.